Et bien bonjour tout le monde, c'est Nekipa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Kingdom Hearts. Alors je sais ce que j'ai dit à la dernière vidéo, je tiens à dire que juste avant de tourner celle-ci, j'ai tenté de faire le boss dans... J'ai tenté de faire les deux boss pour voir lequel était le plus simple, en pleine vidéo, hein. Mais les deux étaient juste extrêmement durs et juste affreux. Du coup c'était tellement relou et tellement dur que j'ai décidé d'abandonner comme une merde. Puis en même temps, le fait que j'abandonne un truc, pas nouveau hein, si vous regardez déjà certains let's play de la chaîne, surtout les premiers let's play. Ouf. Du coup puis en même temps voilà, on... avec Queenie l'ourson on a fait quand même pas mal d'annexes, alors bon, et puis en même temps ça me hypait de voir ce qu'il y avait là bas mais dans tous les cas on sait qu'on est vers le boss final, pourquoi on va se faire chier à faire autre chose que le boss? D'accord. On va peut-être dû par contre me mettre là-bas avant de tourner cette vidéo. Avant de la démarrer tant pis. Ah non, ça a l'air d'aller là. Par contre ces murs invisibles c'est très frustrant, hein. Vraiment c'est la pire invention. Faire des murs invisibles, c'est vraiment le truc le plus sourasse qu'on peut faire dans un jeu vidéo. Surtout quand c'est un labyrinthe invisible. Alors là, déjà qu'un labyrinthe normal, ça casse les couilles. Mais quand il est invisible, t'as juste des envies de meurtre. Attendez. Ah, mais j'avais jamais compris. Ok, c'était pour nous dire par où fallait passer. Putain, quel gland. Bon bah du coup on est juste allé tout droit. Ouais. Bon bah ça est par logique, on va plus me casser les couilles maintenant. Wouh. Ah putain ma jambe. D'accord, encore des ennemis. Ah non mais c'est pas des ennemis ça, c'est de l'XP gratuit finalement. On y reprend. Ah j'ai envie de voir moi. Non ça ne fait rien. Bon bah ça y est. Ouais. Oh, wow. Ah vous êtes si généreux. Ah ouais de la thune. De la bonne thune à sa mère. Ça fait pitié. Oh classe. Je me demande où est passé Once. Plongeons au cœur du danger et on le trouvera. J'ai peur. Je sais pas pourquoi je me dis que dans la logique on devrait avoir des coffres ici. Enfin je sais pas mais ça me paraît normal qu'on en ait. Je sais pas, moi je trouverais ça normal le fait qu'on ait des coffres dans ce monde. On est d'accord. Pourquoi on ne mettrait pas de coffre? Ça serait quoi l'excuse? Ah. Ah. Ok. Bloc Ultima. D'accord, donc c'est là qu'on va devoir passer. C'est intriguant et inquiétant en même temps.
D'accord, ouais. Oh, un laser. C'est un laser ou est-ce que je le saurais jamais. Qu'est-ce que je. Ah. Bloc Vimax. Dans le doute, c'est quoi ces blocs de merde? S'il te plaît, me dis pas que c'est ça. Ah, ok, c'était ça les modèles. Attendez. Non, pas ça. J'aurais dû le vendre. Ça m'aurait fait de la thune. La malle. Ah ouais, D'accord, mais... Ah oui, bloc ultima. Putain, je peux vendre tellement de trucs et me faire de la thune là. Ouais, mais par contre. Prochain point de sauvegarde. Quand j'arrêterai la vidéo, je vous jure que je vais retourner à travers pour tout revendre. Je reviendrai à travers pour revendre énormément de trucs. Là, je peux me faire tellement d'argent que. Non, mais c'est trop là. Là, c'est une offre carrément. Déjà, les 30 000, je les aurai. Ça, y a pas à chier. On les aura, les 30 000. Et. Oh. Ah bah. Point de sauvegarde. Non. Comment on le fait maintenant? Ah, je sais pas. Ah bah on peut même pas se barrer. Bon. Enfin pas à cet endroit là en tout cas. Si on peut se barrer ça sera un peu plus tard. Ok, il y a des codes. Parce que je crois qu'ici en plus on peut avoir des armes pour Dingo et Donald. Dans ce monde. Alors je ne sais pas où. Forcément c'est dans des coffres. Mais lesquels bah j'ai pas d'idée en fait. Intrigant. Par contre là je suis tombé comme une merde et je peux pas remonter, on est d'accord. Je suis baisé, on est d'accord là. Ah bah oui, là je suis bien baisé même. Hein. C'est... Mais pourquoi avoir fait un sol si on ne peut pas monter? Vous êtes... Elle est où votre logique Square Enix là-haut? Non mais putain mais... Mais c'est quoi cette bande de glands? Mais putain mais Disney, pourquoi vous avez fait un partenariat avec eux? Bon peut-être parce que c'était les plus forts en termes de RPG, c'est pas faux. Mais quand même... Oh, imaginez si on... Je sais pas, j'ai envie de croire que... Fire! Thunder! Non. Je fais comment pour remonter moi? Je remonte par où? Ah ok. Putain j'aurais pas fait attention à un truc, on serait coincé pendant toute la vidéo et je recherchais un moyen. Non je vais pas parler de malheur, je l'aurais fait. Ça va être un délire en mode on va. Ah, c'est pour faire XP, mais on repart dans tous les mondes qu'on a fait. Je suppose. Oh, un coffre. Je sais pas comment on va faire pour se barrer de là, mais. Bonjour, mon soutien. Non, mais barrez-vous. Attaquez. Attaquez les serviteurs. Toi, tu meurs, canard. Et toi, je vais t'exploser le cul. Attends. Ah voilà, il est mort. Rock d'audace. Bah...
C'est audacieux. Ah! Ouh! Ouais! Papa, gros dents. Ouais. Attendez, ça m'emmène où si je repars là? Ouais, en même temps, c'est pas assez logique. Ok, non, on va dans le bleu. Du coup, logiquement, ça devrait être soit le monde d'Hercule, soit Graba. Mythologie grecque, je vais dire, ouais, voilà. Alors voilà. Voilà. Ah. Ok. Ah, caché derrière le pied. C'est malin et c'est très bâtard. Ah, surtout bâtard que malin, mais bon. D'accord, c'est pas si qu'on peut partir. Non, y a rien là-bas. Le petit... Ok. Oui. Là, ça grabe normalement. Ah non. C'est vrai, j'avais oublié ce monde. Oh putain, pas elle. Je ne vais pas perdre ma thune. Ah merde, non, je ne l'ai pas. C'est qui de bloquer. Éclat de force, ouais. Roc de vie, d'accord. Ouais, je vole. Ouais. Je me demande à quoi ça sert de faire ça, mais bon. Le voilà, le Agrabah. Alors quoi? J'ai pas envie de croire qu'on a pas de coffre. Attendez, peut-être qu'il faut passer par là. Ah. Non, on peut pas passer par là. Ok. Je vois. Non. Roc ardent. Ardent, c'est le feu, on est d'accord. Oui, ardent. Ah,
Oh putain. Je ne comprends rien ce qui se passe. Non, je veux pas croire qu'on n'est pas. Je ne. Et quoi, je ne peux. Ah, le voilà. J'en étais sûr. Bon, à force d'avoir plein de rocs ardents, je sais pas ce que je vais pouvoir construire, mais ça va être gros. Enfin, ça va surtout être un truc de fou, mais bon. C'est très bien. Oh non putain. Ah ok, je pensais. Oh, bague glacier X. D'accord, on va le mettre après. Je sais même pas quoi c'est ça. Enfin je sais que c'est contre. Ah, rock grand temps. Pourquoi c'est que maintenant qu'on me donne des trucs cheatés? Bonus PC. Vous vous foutez de ma gueule en plus. Bon attendez, juste. D'accord. Intéressant. Bah pas du tout là. Dingo. Ok. Ah. Non. C'est tentant. Mais non. Et Donald? Non, jamais de la vie. Oh putain, on va en reperdre la revente, hein. Je vais revendre des trucs, ça va être énorme, hein. Ça va être... Bon, là, je suis à 30 000, mais on va se retrouver à 40 000 là, au prochain épisode, vous allez pas comprendre. Où on va se retrouver à zéro parce que comme un connard, j'ai tout dépensé. Ouais, c'est aussi une possibilité très probable. Bah, en même temps, faut que j'ai des gros soins, hein. Moi, j'en ai marre d'avoir des petites potions de merde, là. Regardez, c'est quoi? J'ai que des potions de merde et des hazers. Moi, je veux des maxi. La merde. Eh, on est en Big 2022, quoi. Il s'agirait d'avoir des nouveaux trucs. Je crois qu'il meurt, là. Je m'as trop fait chier dans ce monde de chiens de merde, là, dans le monde de connards. Mourir tous. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est cool. Voilà, il gagne de... De toute façon, ça va pas tarder à être à mon tour à moi ou à Donald, hein, il gagne un niveau. Mais... C'est tout? Bon, d'accord. Rock hyalien. Le rock hyalien, j'ai jamais su à quoi il servait. Enfin, je sais que c'est pour la synthèse, mais... Tout ce qu'on a, c'est pour la synthèse. Mais j'ai jamais su à quoi il servait. Et encore pour la synthèse. Pour avoir les armes les plus puissantes du jeu pour les personnages. Sauf que je peux pas parce que pour les synthétiser, il faut qu'on ait synthétisé 30 trucs. Et je ne peux pas avoir le vol illimité, d'accord. Sois logique le jeu, c'est bien. Continue ta logique de con. Non mais, Sora. Oh. Attends, je rêve ou ils sont pas avec moi là. D'accord. Bon bah on se casse. C'est tout. Très intrigant. Attendez, par contre, quitte à dépenser des joueurs, on va les donner à Donald. Goofy. Bon, là j'ai merdé, je l'avoue. Goofy. Non. Bon, tant pis. Mais il est où le coffre? Bon, attendez.
laissé 2-3 XP, mais bon, on va pas se prendre. Ouais, connard. Bah non. Du coup, on a vraiment pas de coffre. C'est... Ou alors le coffre, il est au-dessus, mais bon... Pourquoi? Genre, juste pourquoi? C'est possible qu'il est vraiment là-haut, mais pourquoi avoir fait ça? Genre, la logique, elle est où? Oh, il y a du feu là-bas. Ah, bon, bah... Ah, il était là. Et je peux utiliser le vaisseau pour me barrer. D'habitude, quand t'as une sauvegarde, c'est pas toujours bien. D'habitude, hein. Déjà, en plus, même les deux dans le monde de Winnie, ça fait bizarre. Ouais, je pense que ça va être un top, là. Ah, je brûle! Ah non, ok. Les gros amis. Ah, je savais qu'il allait gagner la facture. Maintenant, sur un, qu'est-ce que tu vas nous faire gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner quand... D'accord. Ouais. Oh, enfant des ténèbres, né d'un cœur perdu, dévorez tous les mondes et conduisez-les à leur fin. Rassemblez tous les cœurs en un seul et suprême cœur. Le cœur de tous les cœurs, unique et universel. Ça fait beaucoup de cœurs. Le cœur du royaume. Kingdom Earth. Le cœur ultime. Recelant les ténèbres infinies. Retournez à cette ténèbre annihilatrice de toute lumière. Mais seuls sept cœurs purs peuvent ouvrir la porte. Sept cœurs sans ténèbres. Sept clés pour cette serrure. Seules deux autres clés peuvent la fermer. Et seuls les êtres nés des ténèbres peuvent franchir le seuil pour y retourner. Oh, enfant des ténèbres, né d'un cœur perdu. J'ai pas compris la suite. Ah bah non, je sais pas si j'ai pas compris, c'est que j'ai cru que c'était la fin et on a disparu, mais non. Bon bah, c'était plutôt rapide. D'accord. C'est de la merde. Mais c'est une gentille merde, alors on accepte. Bon bah, on a le coffre, hein. On a eu ce qu'on voulait. Maintenant, on fight. Ah, c'est... Du coup... Ça me fait spawn où? Ouais. Ah non, il est déjà ici. Ah ouais, mais du coup, je dois aller où? Ah non, faut peut-être que je reste dans ce truc-là. Ah non, fallait juste que je descende là. Ok, il y a un boss. Et ben, si on a un game over, sachez juste que ça serait une bonne chose. On fera la vidéo et on fera le boss à la prochaine vidéo. Tout simplement. Seulement si on fait game over, bien évidemment. Si on fait pas game over, bon bah, on fera le plus longtemps possible. Soit jusqu'à en crever, soit jusqu'à ce qu'on finisse. Et on peut pas invoquer. Bon, déjà je l'ai dans le cul. Comment ça se fait? Ah non, mais en fait, c'est vrai que ce boss-là il est sain. À part nous éloigner, c'est vrai qu'il fait rien de fou. Bon, il se brûle, mais c'est un diable. Alors, c'est comme une bouche pour lui. Il est vraiment trop sympa à combattre. Ça va se battre mieux, ça fait du coup dégradé. Attendez. Ah d'accord, elle peut le sauter. Ouais, mais que pendant que... Méchant. Meurs. Yeah. Ah, j'ai fait mal. Ouais. Trop cool. Ça doit aller vite.
2 minutes chrono. C'était limite un speedrun ce boss. Le truc que je me demande, c'est genre si j'aurais pas fait toutes les sections XP pour gagner 20 niveaux en plus, est-ce que j'aurais niqué aussi facilement? Mystère. Je le saurai jamais et en même temps tant mieux. Parce que je veux pas savoir. Le groupe a appris super vol plané. Oh, ça c'est cool. Permet d'effectuer un vol plané à grande vitesse en maintenant la touche carrée. Ok, mais par contre avec Sora on en a gagné 2. Attraction permet d'attirer les sphères de HP en Trinité. Crée une puissante explosion. Ah oui, ça va être utile, je crois. Combo aérien. Combo. Vortex permet d'effectuer. Bah, on va mettre ça au pire. Hein, puis voilà. Merde, où dois-je aller? Bon, on va au pire. Non. Je sais même pas en fait si. Attendez, j'ai peut-être mal lu le truc, mais. Permet d'effectuer un vol en maintenant la touche carrée appuyée. Ok, maintenant, comme ça. Et là. Je sais pas, je vois pas de différence en termes de vitesse. Ouais, c'est peut-être parce que je suis aveugle. Hein, mais... Ah. Bonjour. Je me disais que c'était peut-être un truc intéressant. Ah, ça a pris. Ça servait, mais bon. Ah, ok, c'est pour ça. Ah, soit je monte, soit je vais là. Ah ouais, quand même. Bon, bah, on va descendre. Ouais, en fait, je pense que ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est descendre. Ouais. Ah oui, là on voit la différence de la vitesse. Ah oui, non mais d'accord. Ok. Bah attendez, Trinité. Sachant qu'en plus c'est des points d'œil comme une des attaques les plus puissantes de tout Kingdom Hearts. Donc on va voir. Ah oui, on lui a clairement retiré toute sa vie là. Cette violence, putain de merde. Même plus de magie et eux aussi d'ailleurs. Ouais, content. Bon, par où on doit y aller? Que se passe-t-il? Oh non, me dites pas que c'est fini maintenant. Ah d'accord, en fait on va avoir une sorte de salve de boss avant de que la porte s'ouvre. Ah, pour ne pas gagner des derniers niveaux. Vent des chiffres, à quoi ça sert? Par rapport à... C'est la santé au moment où on nous apporte ça, on sait. Non, pas moi. Comment? Oh yes, c'est Donald. Ah,
C'est vrai que si on a un boss là, après ces ennemis-là, je regretterais tellement d'avoir... Quand on a un petit boss quoi, hein, je regretterais tellement d'avoir utilisé cette unité. Quoique là on est en train de se refaire des MP, alors bon, on va pas se faire. Juste pas les dépenser n'importe comment, et du coup ne pas les dépenser du tout en tant que Sora. Les autres encombrants, ils vont les utiliser. Arrêtez, oh. Enfin, vous voyez, si on a un peu trop de HP, éventuellement il faudra s'en débarrasser de certains. C'est pas l'inverse. D'accord, ça sert à rien en fait. J'espère mieux. Aïe, petit enculé. Non, d'un gros casse-toi. Tuez-le. Oh. Ah, d'accord. Galaxie, merci. Ok, je crois qu'en plus j'avais vu des vidéos du début du combat final, et du coup, comme je viens de dire, voilà, j'avais vu des vidéos. Derrière cette porte se trouve le boss final, le boss final de Kingdom Hearts 1. Alors de mon côté, je vais faire de l'XP là quand même, hein, parce que c'est insultant, très clairement c'est insultant ça. Mais en même temps, si je fais une synthèse, des fois on peut avoir des ennemis, alors bon, pas eux, mais on peut avoir des ennemis qui pour la synthèse sont très intéressants. Et du coup voilà, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De mon côté, je vais revendre pas mal de trucs et me faire pas mal de thunes pour acheter des méga geysers, des méga potions, méga elixir. D'ailleurs ça, on va le mettre à Sora. Je sais pas pourquoi, mais je voulais le mettre à Sora. Attendez, du coup ça veut dire que Sora, tu as encore un ouais, allez. Ah non, merde, je devais le mettre pour Donald. Ouais, mais non, mais tant pis, bref. Du coup, ben voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner sur ce CNMXBA. Et le prochain épisode pourrait être le dernier si on ne le fait pas en plusieurs parties. Ça dépendra de la difficulté du boss, je tiens à le dire. Du coup, voilà, au revoir tout le monde.